Nous rappelons que nous avons gardé face au public sur toutes les métropoles. Jodia, nous avons recevoir Michel Martelly. Nous sommes visionnés documentaire ça qui permet de connaître Michel Martelly plus bien. Quand nous allons passer dans la phase question, et pour ça, nous avons avec nous Wendell Théodore, directeur de l'information à Radio Métropole, et Rothschild François Junior, directeur général de RFM. Michel Martelly, bienvenue à face au public sur Télémétropole. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui. Pour mes questions, Mme Guébourg, qui s'accorde à décider candidat à la présidence? Je vous salue, messieurs, et triomphe à ça, son plaisir et honneur pour me taper devant nous. Et je salue le public haïtien tout entier, tout. Et son plaisir et en même temps tout honneur pour serviteur nous venir devant nous, pour l'expliquer clairement qui ça a gagné en tête, qui ça a pour Haïti. Nous avons souhaité me passer ce test-là. Pour répondre à la question, je dis tout simplement que Michel Martelly, simplement fatigué, pour la prendre à rue le matin, pour la regarder de Simon, 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui a demandé dans une vite machine, qui a retiré la chemise pour yo, pour yo suivre la machine, qui n'a pas accès à la santé, à l'éducation, ou a demandé au côté maman, au côté papa, au côté l'État. Qui jeune yo, dans les yeux où est que vous perdu, il n'y a pas qu'un espoir. Il n'y a pas espoir pour manger un plat manger. Vous n'y a pas espoir un jour pour acheter une petite machine pour vous courir. Il n'y a pas accès à la santé. Nous ne produisons rien encore. Haïti perdu. Nous-mêmes, en tant que monde, nous perdu. Nous acceptons tout le bagage. Nous ne parlons même pas de l'autre encore. Nous ne parlons pas de société encore. Parce que les notions les plus élémentaires, corrélées l'amour, le partage, et la compassion, le civisme, le patriotisme, des concepts qui régissent toute société, moi nous pilons en papier, nous par contre, côté nous pourrons aller, ou du moins nous pourrons aller vers la catastrophe, personne ne va dire rien. Et en plus de ça, à travers ma fondation, nous avons une opportunité pour nous joindre 30 000 cailles, côté que nous devons reloger mon qui était mon cap free en bas de temps. Et tout simplement parce que l'État a répondu à deux mois de nous, qui s'est demandé de nous mener des terrains seulement, et nous n'avons pas réussi à un terrain sérieux. Donc, je pense que nous avons un manque de bonne volonté, moi que l'État désintéressé. Je pense que nous sommes concernés qu'en pile dans le monde qui constitue l'État à Rodia. Donc, moi, décidé avec fermeté et conviction, après que je concerté avec madame, moi, et petitement tout, moi, décidé que je levé campé pour me dire assez. Et pas juste pour me président, parce que seul, je ne peux pas faire rien, mais justement pour me créer un mouvement, ça, pour me créer un mouvement avec la population, un mouvement pour nous arriver à libérer les peuples haïtiens, pour nous changer le système ça, qui est révélé inefficace, qui échoué, pour nous au moins dévier de direction de Braléa, pour nous gagner un meilleur Haïti. Il y a des gens qui disent que Michel Martelly est un jeune, il n'a pas d'expérience politique, il n'a pas travaillé dans l'État. Ces musiques qui t'ont fait, naturellement, faire aide sociale, il n'y a pas ça, tu es déjà confortable à cause de mon expérience politique. Soit pour répondre, mon gars. Si je réponds à la suite, mais qui, je dis si tu es confortable avec le système qu'il a, reste la donne. Mais puisque, il faut me répondre en tant que leader, en tant que président, il faut me mettre en confiance pour me dire que moi, tout simplement fier que je fais partie de bonnes monde qui expérience ça. Et qui l'a gagné dans zin que nous y là. Justement, nous cherchons une nouvelle vision, nous cherchons un barrage qui pifre, nous cherchons un monde qui voyage, qui voit ça dans un pays, nous cherchons un monde qui voulait que toute population qui a fait différence entre de l'eau chaude, de l'eau froide, c'est pour en faire de bon degré dans mon bon diplôme. Il est vrai qu'à travers études, moi, un monde qui a dit bon, monsieur, on parle pas d'universitaire, mais. La vie à tout. Je prenais l'école de la vie, moi je vis. Et à travers un métier, moi, à travers le travail que je fais dans le social, je réussis à comprendre la complexité de la situation. Je réussis à comprendre mon yo, et à travers tous les secteurs, dans différents secteurs. Je réussis à comprendre le problème parce que je suis là avec eux. Des fois, je souffre avec eux, des fois, je marche avec eux, des fois, je réconforte eux. D'autres fois, même courir derrière eux-mêmes. Donc, je crois qu'au niveau. Au niveau préparation, au niveau dévouement, au niveau fermeté,
et m'gen un pile trait, m'gen un pile, m'gen profil, m'gen profil au monde qui ka et prochain président d'Haïti, parce que prochain président d'Haïti a besoin d'un caractère bien déterminé pour le cas prendre des ordres sa main. Il faut penser à remettre de l'ordre, donc il faut de la fermeté, il faut l'amour du pays, il faut remettre pays où faut ou qu'a inspiré population, faut que faire confiance. Donc dans pile critère quand un jeu dans personnalité moi et surtout et si on même parle de gestion et gérer des êtres humains à travers la musique, même la musique, c'est pas facile. Et dans jazz là, chaque monde saute dans un secteur bien déterminé. Vous gagnez classement et vous avez un petit pauvre, vous avez un qui gagne l'argent, donc c'est pas toujours facile de gérer tout ça. On a montré quand même qu'on pouvait gérer cette complexité. Et il y a aussi un certain savoir-faire. On a réussi. Michel Martelly, en plus de tableaux côté présenté là, pour parler de petit monde qui est dans la rue, pays d'Haïti, c'est plus que ça. C'est tremblement de terre, c'est cyclone, c'est choléra, et plus l'autre encore qui est capable d'arriver. Il y a un peu de monde qui ont une série de candidats, une volonté par exemple pour une plus riche, qui sont riches déjà, ou bien une volonté justement pour prendre pouvoir. Il y a un monde qui ont une volonté de venger. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à différentes considérations ça? Bon, je dis que je suis content qu'on vienne à la question ça, parce que justement, je crois que dans la liste de candidats qui nous gagnent, je crois que c'est justement Michel Martelly pour nous mettre à côté dans le modèle que nous avons parlé, puisque que nous avons parlé de tremblement de terre, que nous avons parlé de cyclone, que nous avons parlé d'inondation, que nous avons parlé de l'école qui est effondrée, que nous avons parlé de choléra. Équipe Michel Martelly, c'est toujours l'équipe qui répond présent en premier et à chaque fois. Nous avons rappelé nous, et nous faisons téléthon, marathon, à chaque fois que nous avons un problème, nous approuvons, et nous faisons pile téléthon et marathon. Nous sommes là avec la terre effondrée, c'est pratiquement madame qui a renouvelé l'hôpital et général qui était en grève à l'époque. C'est encore madame qui est arrivée à travers le contact lui. Et fait au bon conteneur qui te gagne médicaments la donne. Et tout le tremblement de terre, m'pat la, madame, te soupir, t'as fait, t'as vite apporté support li. Et que sélection haïtienne, t'as parti, t'es toujours là. Que la Croix-Rouge, t'as un problème pour te gagne des kits Elisa, des kits qui permettent de tester. Et sans haïtiens, pour qu'on ait si bien vu, si à la donne. Nous-mêmes, nous faisons des fonds de résine pour nous aider. Et encore, même l'on parle de choléra. Pendant que moi j'étais dans une station radio, je faisais une interview, nous avons la vie de moi, nous avons un moyen pour nous dépêcher sur place. Et petit garçon qui était présent dans l'hôpital Saint-Nicolas, si je ne me trompe pas, dans Saint-Marc, et côté que nous avons envoyé de l'eau sur place, et monsieur a allé des mounes, et il a expliqué, je me retourne justement, pendant dans l'hôpital, là, mon appentré a marché, il a tombé, c'est mouru, il a mouru. Au point que, le monté dans la station radio, je faisais une interview. Et le compte était à 43 morts, tant que nous sautions, il y a 165 pour montrer aux gens mon état pour l'une sur l'autre. Donc, c'est au contraire, c'est une opportunité pour nous mettre en relief et attitude nous. Nous pas là pour nous venir candidat à la présidence pour nous faire des bagailles. Nous sommes toujours à faire. Et ça nous a reproché l'État à niveau ça, justement. C'est que malgré nous avoir subi un modèle de catastrophe, il n'y a pas jamais mis une équipe en place, je ne vais jamais mettre une équipe sous pied, je ne vais pas former des secouristes qui, en temps de crise, t'es qu'à justement, et t'es qu'à justement venir en aide à la population.